Les choses sérieuses commencent. Maintenant, vous avez déjà ouvert votre compte et rempli tous les formulaires. Vous êtes presque prêt à investir, mais il vous reste une dernière étape, la vérification. Chez eToro, notre priorité absolue est de s'assurer que vos investissements sont sécurisés. La vérification nous permet de nous assurer que tous nos utilisateurs sont bien réels. Et ne vous inquiétez pas, nos petits génies de l'informatique ont travaillé dur pour vous rendre la tâche facile. D'abord, vous devez fournir une pièce d'identité valide, de préférence votre passeport ou votre carte d'identité. Moi, j'ai toujours mon passeport sur moi. On peut toujours rêver d'un voyage surprise à New York, non ? Nous avons également besoin d'un justificatif de domicile valide et daté d'au moins 3 mois. Vous avez de nombreuses options comme un relevé bancaire ou une facture internet. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour voir les choix qui s'offrent à vous. Enfin, nous avons besoin de votre numéro d'identification fiscale. Vous le trouverez sur votre avis d'imposition ou sur votre déclaration d'impôt pré-remplie. Si vous êtes dans un autre pays, vous trouverez une liste de pays et des formats de numéros d'identification fiscale correspondants sur notre site internet. C'est tout, on y est. Le processus de vérification peut prendre plusieurs jours. Nous vous tiendrons au courant une fois votre compte vérifié et prêt à être utilisé. Et si un problème doit être résolu, ne vous inquiétez pas. Nous vous contacterons pour vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Merci pour votre attention et à bientôt sur eToro. Allez, finalement on va à New York. Goodbye !